Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler un peu de Google+, puisque figurez-vous que j'en ai eu un peu marre de pas pouvoir répondre à des commentaires, de pas avoir des notifications quand des commentaires sont apparus sur mes vidéos, ou alors mettre un commentaire sur d'autres vidéos à d'autres personnes, quoi. Donc je me suis dit, allez, on va tenter, c'est pas si diabolique. Donc je me suis fait un compte Google+, et donc j'ai lié Google+ à ma chaîne YouTube. C'est pas la mort, je vous l'affirme, mais bon, je préférais quand même quand ça n'y était pas. Alors, donc moi je suis dans le stade où j'ai installé Google+ sur ma chaîne. Alors, si vous l'avez fait et que vous ne vous y retrouvez pas, peut-être que cette vidéo va vous aider. Alors, vous voyez en haut qu'une petite cloche s'est installée. C'est tout simplement en fait une sorte de boîte de réception. C'est là où toutes les notifications des commentaires et des messages privés, je crois, sont mis en fait. C'est là que vous pourrez voir tout ça. Et il y a aussi du style, il y a des notifications comme quoi, tatata, vous avez ajouté dans son cercle, un truc du genre. Enfin ça c'est lié à Google+. Voilà, donc ça, la petite cloche, c'est plutôt pour les notifications. Ensuite, une fois que vous cliquerez sur votre pseudo ou sur la petite flèche, vous voyez que en plus de YouTube, vous avez deux nouvelles options avec le compte avec le compte Google. Voilà. Donc avec YouTube, vous avez ma chaîne, gestionnaire de vidéos, abonnement, paramètres YouTube et toutes mes chaînes. Dans le compte Google, vous avez votre page, l'onglet Google+, administrateur et paramètres. Alors on va voir ça tout ça un par un. Alors faut savoir qu'en fait, quand vous liez votre compte YouTube à Google+, faut savoir que en fait vous avez normalement créé une sorte de page Google+. C'est l'équivalent à Facebook. De page Google+, en fait, où sont répertoriées toutes vos activités, que vous ayez commenté une vidéo, que vous ayez mis une vidéo, quelqu'un est dans votre cercle, etc., etc., etc. Donc c'est un peu comme une page Facebook, sauf que c'est pour Google+. Ensuite, dans l'onglet Google+, je crois que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Dans administrateur, je vous le montrerai pas, ce sont comment dire, les accès à votre page, en fait, il y a le créateur, la page, etc., etc. En fait, c'est un peu comme Facebook. Et dans les paramètres, vous avez toutes les options de votre soi-disant page Google+. Si vous avez, par exemple, qui peut interagir avec vous et vos posts, qui peut... ouais, gérer les abonnements, type de... Oh, voilà, vous avez un peu de tout. Vous verrez par vous-même. Alors, je vous avoue, quand j'ai lié mon compte YouTube, mon YouTube à Google+ pour la première fois, j'ai eu un peu peur, je vous l'avoue, je vous le cache pas. Mais une fois mis, je vais pas vous dire c'est facile, c'est bien et tout, mais je dis c'est pas diabolique, mais ça aurait pu ne pas être obligatoire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ouais, pour ceux qui auraient remarqué, j'ai changé un peu ma photo de profil. C'est simplement, il fallait changer un truc sur la photo de profil. En fait, la photo de... Ah, j'arrive plus à parler. En fait, votre photo de profil de votre page Google+ est liée à celle de YouTube. Donc, celle de... La mienne de Google+ et celle-ci. Et alors, j'ai paumé la version verte. Alors, j'ai mis la version rouge. Donc, voilà, c'était une petite vidéo, hein, juste pour vous informer. Donc... à présent, vous pouvez écrire des commentaires dans le sur mes vidéos et je vous y répondrai puisque je le verrai. Malheureusement, pour les commentaires qui ont été mis, que vous avez postés avant que j'ai fait cette vidéo, malheureusement, je n'y répondrai peut-être pas puisque je ne le verrai tout simplement peut-être pas puisque j'ai quand même fait je ne sais pas combien de vidéos et je compte pas aller voir je ne sais pas combien de vidéos pour aller voir des commentaires, sachant qu'il y a plusieurs commentaires par vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous dis abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. À la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao les gens! Well, you only need the light when it's burning low.
Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you